Salut à tous, c'est Clélia et vous venez d'atterrir sur la chaîne AR Performance. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation non pas d'une, mais de deux Porsche. Et oui, vous l'avez bien entendu. Pour ceux qui n'auraient pas encore reconnu, on se trouve juste devant le magnifique château d'Apigné. Merci à eux de nous accueillir pour le tournage de cette vidéo. On a donc ici deux Porsche Cayman, et bien qu'à première vue elles se ressemblent beaucoup, vous allez voir qu'elles n'ont pas grand chose en commun. Et oui, donc nous avons ici la 981 Cayman S, propulsée par le fameux Flat 6, développant 325 chevaux. Et de l'autre, nous avons la dernière Cayman, la 718, propulsée par un Flat 4, développant 300 chevaux. Et oui, vous l'avez bien entendu, Porsche s'est mis à faire des 4 cylindres. Les puristes vont crier au scandale, mais dans la chasse à la consommation et au CO2, Porsche a fait un choix judicieux en développant un plus petit moteur, mais en y ajoutant un turbo. La 718 affiche une consommation mixte tout juste supérieure à 7 litres, contrairement à la 981 qui affiche une consommation supérieure à 8 litres et pourtant seulement 25 chevaux les séparent. Pour l'exercice du 0 à 100, elles affichent toutes les deux 4 secondes 9. Ces deux modèles sont équipés de la boîte automatique PDK à 7 rapports. Au niveau de l'esthétisme, la 718 a bien été retravaillée. On retrouve les grandes entrées d'air propres au Cayman qui ont été un peu retravaillées, ainsi que les rétros, les pare-chocs, les jantes 20 pouces ne sont plus les mêmes et sa signature lumineuse non plus. On a sur cette 718 des feux PDLS Plus à LED pour Porsche Dynamic Light System Plus. Ce sont des phares directionnels avec un contrôle dynamique du faisceau, offrant plus de visibilité, de confort et de sécurité, notamment lors des virées nocturnes. À l'arrière, les feux ont également été retravaillés. On n'a plus les blocs rouges de la 981. On a des feux à LED avec un peu plus de détails. Juste au-dessus est bien évidemment l'aileron que l'on peut choisir de rentrer ou de sortir. Sur cette 981, on a l'option PASM, Porsche Active Suspension Management, qui assure le réglage électronique continu de la suspension de manière automatique sur chaque roue, offrant ainsi un réglage soit plus confortable, soit sportif et raffermi. L'habitacle nous rappelle bien que nous sommes dans une Porsche, on est bien loin de l'esprit Mercedes de la dernière fois. On a ici, comme pour la 981, des compteurs à aiguilles, nous affichant la vitesse et les tours par minute. On a aussi un écran numérique nous affichant diverses informations. Le volant a changé, on retrouve donc plus d'aluminium ici, mais la grande nouveauté, ce sont surtout les palettes, cachées donc derrière le volant, contrairement à la 981, où il s'agissait de boutons intégrés directement en fait au volant. On a aussi la possibilité de changer de mode de conduite directement sur le volant, contrairement à la 981, où il s'agissait de boutons intégrés ici. Au niveau des matériaux utilisés, Porsche n'est pas très carbone. On va surtout retrouver du cuir et de l'aluminium, et sur cette 718, on va aussi avoir de l'alcantara sur les sièges. La colonne centrale est presque identique sur ces deux modèles de Cayman. Elles ont toutes les deux un écran multimédia, mais la 718 marque l'arrivée de l'Apple CarPlay. Juste au-dessus, les bus d'aération ont été arrondis et le chronomètre du pack Sport Chrono ont été reculés. D'ailleurs, on en reparlera du pack Chrono. Bon alors, on commence par laquelle ? Eh bien écoute, je te propose de commencer par la 981, comme ça on garde la surprise pour la fin ? Allez ! Let's go ! Bon déjà on va voir un peu comment celle-là elle chante, donc on est dans le fameux 6 cylindres, le flat 6 de chez Porsche. C'est ça. On pourra comparer comme ça après avec la 718, le flat 4 turbo. Voilà, le controversé flat 4 biturbo, pas biturbo, juste turbo. Turbo, c'est ça. Donc voilà. Bon là on est en mode normal, on l'entend mais c'est silencieux. Ça reste silencieux, ouais. C'est calme, c'est pas trop bruyant. Non franchement, on le sent déjà là. Là, on a une direction assez dure, mais très précise. D'accord, ouais. Ouais. Ah bah c'est sûr que c'est pas le même type de conduite comme on a pu l'avoir sur une A45 ou sur une RS6. Oui. On est sur une voiture plus typée course, quoi, typée piste. C'est ça. On sent bien la touche, l'univers Porsche, quoi. C'est ça, oui. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'univers Porsche, t'as vu où j'ai mis la clé ? Mais oui, d'ailleurs, ça m'a surpris. Tu as inséré la clé à gauche, voilà, c'est ça ? C'est ça. Tu sais pourquoi ? Mais non, dis-moi. Alors, donc Porsche, comme tu le sais, ça vient du milieu de la course automobile, de la compétition, oui. Et notamment la midi course des 24 heures du Mans. D'accord. Et est-ce que tu sais comment se passe un départ de course aux 24 heures du Mans ? Non. Alors, contrairement à des départs gris arrêtés, un peu comme on retrouve en Formule 1. En F1, bien sûr. Voilà. Oui.
les 24 heures du Mans, en fait, les pilotes sont tous alignés d'un côté de la piste. D'accord. En face de leur voiture respective. Mmh. Et au top départ, en fait, ils traversent tous la piste en courant. Ils courent pour monter dans leur voiture. Ils courent, voilà, ils mettent le contact. Et voilà, bah, pour optimiser un maximum, Porsche a mis la clé à gauche pour pouvoir démarrer le plus rapidement possible. Et après, du coup, c'est resté, ils l'ont gardé. Voilà, c'est resté, c'est historique. Porsche, c'est la clé à gauche. Moi, ça fait aussi un peu l'âme de la voiture. C'est ça, l'âme d'une Porsche, quoi. C'est... Mmh. Ils aiment bien nous rappeler d'où ils viennent, quoi. De la compétition, de la course automobile. D'ailleurs, Porsche a annoncé récemment qu'ils allaient se relancer dans la course d'endurance, donc les 24 heures du Mans. D'accord. Ils avaient arrêté il y a quelques temps maintenant. Bon, bien évidemment, les Dodan. On les sent quand même, hein. On ouais. est bas. Hein. Ouais, on est dans une voiture très basse, donc forcément, les Dodan, c'est au ralenti. C'est ça. Hein. Voilà, on rappelle, on est en mode normal. C'est ça. Qui est relativement confortable. On sent les aspérités de la route, on sent une certaine rigidité. Mm-hmm. Mais ça va, c'est pas dérangeant, c'est pas tape-fesse. Non, franchement, ça ne l'est pas, on est d'accord. Là, on a un bon compromis entre de la sportive quand même et puis un confort de conduite qui est assez agréable. Et que penses-tu au niveau du confort de l'assise, du volant, de tous ces éléments t'es bien positionné? Ouais, écoute, je suis bien positionné. On a des sièges vraiment bien, un bon maintien. Mm-hmm. Alors, je pense que là encore, faut pas être trop carré. Mais non, là on est bien maintenu, les sièges sont réglables électriquement, c'est toujours sympa, toujours pratique, un réglage plus précis aussi. Et le volant réglable électriquement aussi. Oui, c'est vrai que ça c'est quand même super sympa, qu'on soit petit ou grand, peu importe finalement la morphologie, le volant s'adapte. C'est ça. Et non, bah, on peut le régler pile comme il faut, on est vraiment très bien. Moi je trouve ça assez confortable. On a du cuir, alors c'est relativement dur, mais on est bien maintenu au moins. Non, on est bien, oui. Ouais. Après, au niveau du volant, il est sympa, pareil, cuir, on l'a bien en main. Ce que je trouve un peu bizarre, c'est ces petits boutons. Ouais, ces petits boutons. Oui. Aujourd'hui, on retrouve des palettes dans un peu toutes les voitures qui ont des boîtes automatiques, même les non sportives. Et là, les palettes ont disparu, ont été changées par ces petits boutons. C'est même pas qu'elles ont disparu, c'est qu'elles ont apparu après. Oui. Sur la 718, on le verra après, on a des palettes. Et effectivement, d'accord, là, on a des boutons. Et en plus de ça, c'est que sur des palettes, on a passage de rapport, rétrogradage. Oui. Là, on a passage de rapport et rétrogradage sur chaque bouton. Donc, d'accord, on pousse pour passer à la vitesse, on tire pour rétrograder. Et ça, que ce soit sur le bouton droite ou le bouton gauche. Porsche a encore trouvé une façon de se démarquer. C'est ça. Bon, Clélia, le moteur, on l'entend, mais ça reste assez raisonnable. C'est un peu trop, à mon goût. Je te propose de passer tout de suite en mode sport. C'était exactement ce que j'allais dire. Voilà, on sent déjà la différence. Hein. Déjà, ouais. C'est notre histoire. Ouais, non, on n'est pas déçu de ce mode sport. Hein. Ah non, pas déçu de ce mode sport, que ce soit au niveau de la... Tout juste enclenché, on entend moteur ronronner. Que ce soit la puissance, la réactivité à la pédale, on sent la cartographie totalement différente. Et effectivement, la sonorité, là on l'entend bien, Joli, hein. On est d'accord. On l'a bien, ce coup de pied aux fesses. Il me semble aussi que sur ce modèle, il y a une option par rapport aux amortisseurs. Effectivement. Donc, on a l'option PSM avec les amortisseurs contrôlés. Et on peut, en l'activant, avoir une suspension plus ferme, plus sport. D'accord. Donc là, c'est vraiment, ça va être un comportement typé très piste, hein, très circuit, qui va nous offrir forcément plus de rigidité, plus de maintien aussi au sol. Hein. Notamment en courbe, on va être très bien maintenu au sol. Et on va avoir notamment le niveau de la voiture qui va carrément s'abaisser, qui peut s'abaisser jusqu'à 1 cm. Ah oui. Ce qui est assez énorme en soi, 1 cm comme ça peut paraître peu, mais on va vachement baisser le centre de gravité de la voiture. D'accord. Donc forcément, on va avoir un meilleur maintien au sol, en courbe, des meilleurs passages de courbe avec des vitesses plus élevées aussi. Mm-hmm. On pourra l'essayer tout à l'heure sur des routes un peu plus sinueuses. C'est là où on voit tout l'intérêt de ce mode-là. Bon, là, du coup, on est en mode sport. Et si on activait l'option PASM? Allez, c'est parti. On arrive dans des petites routes sinueuses. Voilà, c'est assez impressionnant. Hein. La voiture reste coachée au sol. Oui, tu le sens même bien. Tu le sens même côté passager? Oui. On peut attaquer des entrées, on peut rentrer dans des courbes à une vitesse assez affolante. Chose qu'on ne ferait pas avec n'importe quelle voiture. Mais on sent bien que la voiture est bien agrippée au sol, hein, quand même. Ouais.
Non, c'est vrai qu'on sent la différence, effectivement. Avec déjà, option, oui. Déjà, le mode sport offre une conduite assez précise, assez radicale, assez raffermie en fait, que ce soit au niveau de la direction, des amortisseurs. Mm-hmm. Effectivement, quand on active les amortisseurs encore plus raffermis, ah bah effectivement, on sent que la voiture est scotchée au sol, là on est prêt à aller sur un circuit à tout moment. C'est ça. Du coup, on est d'accord, la vitesse c'est validé, ouais. La tenue de route c'est validé. Aussi. Et si on essayait maintenant le freinage? Et ouais, c'est vrai que je te le redis, une voiture lancée à pleine vitesse c'est bien, mais il faut pouvoir l'arrêter. Alors on va tester ça tout de suite. Bon bah écoute, je pense que ça aussi c'est validé. Ouais, on est d'accord. On a un très bon freinage. Je suis assez agréablement surpris du train avant. On a un train arrière très bien campé au sol, forcément, on a le moteur. C'est ça. Même si c'est un moteur central, on a quand même plus de poids à l'arrière, le centre de gravité est relativement en arrière. Mais le train avant est quand même assez incisif, assez précis. Et forcément, au freinage, davantage avec le transfert de masse, il n'y a pas à dire. Pas de frayeur à se faire en tout cas. Bon, du coup, Pierre, tu as pu valider l'essai sur route de la 980 Cayman S. Ouais. On va maintenant pouvoir passer à la 918. Ouais, j'ai hâte. Voir ce que ça donne. On va pouvoir découvrir et comparer un petit peu ces deux modèles. Ouais. Le 4 cylindres, bonne surprise. C'est ça. Bonne surprise, on verra bien. Exactement. Allez, c'est parti. On se retrouve donc maintenant dans cette fameuse 718. Allons voir ce que donne ce 4 cylindres. Ouais, à commencer par le son. Allez. Oh. Ouais, il ronronne plus. Hein. J'aime bien moi le bruit du 4 cylindres. Je sais que je vais me faire taper dessus, mais... Mais j'aime bien le bruit du 4 cylindres. Moi, j'ai beaucoup aimé le bruit que donnait la 45 AMG, qui est aussi un 4 cylindres. C'est vrai. Là, on a un turbo. Je propose même de mettre tout de suite l'échappement sport dont bénéficie ce modèle. Très bien. Allez, c'est parti. Bon, déjà, on se retrouve dans un habitacle un peu plus moderne. Oui. On voit que c'était un peu modernisé, on a les fonds de compteur qui étaient gris sur la 980 qui sont passés noirs. Noir. C'est vrai que c'est plus moderne. Hein. Un peu d'alu, comme tu le disais tout à l'heure, les palettes. Ah, je suis plus familier avec les palettes. Quand même, oui, c'est vrai. C'est, hein. C'est vrai que le volant fait un peu plus sport. Bah, plus moderne, plus sport, un peu plus épuré. Mm-hmm. Mais sinon, ouais, au niveau de la colonne centrale, on a à peu près identique. Voilà, la colonne centrale. Les mêmes boutons, l'écran multimédia. C'est ça. Le petit chronomètre du pack sport chrono. Et ça offre pas mal de fonctionnalités en plus. Donc première chose, on a une cartographie course. Donc c'est une cartographie encore plus radicale que le mode sport. Ça va offrir des passages de vitesse, de rapport encore plus rapides quand on passe en boîte séquentielle. D'accord. On a aussi une suspension pneumatique sur la boîte de vitesse et sur le bloc moteur. Puisque forcément quand on va taper un peu plus dedans, le moteur et la boîte de vitesse vont générer des vibrations, des mouvements. Et en fait, c'est un amortisseur de boîte qui va permettre d'atténuer ces mouvements-là, d'accord, ces vibrations, pour avoir un meilleur confort de conduite, encore plus de précision. Et donc ouais, la troisième chose aussi qu'on a avec le pack Sport Chrono, c'est le Porsche Track Precision. Qui est une application en fait. Voilà, qui est une application intégrée et qui va permettre d'enregistrer ses performances, surtout, enfin notamment quand on fait du circuit. C'est ça. Nos temps autour. Donc on peut voir en plus si on améliore nos temps, si on est en dessous, on peut voir notre moyenne, on peut avoir plein de données. Et en plus de ça, on peut les récupérer sur des clés USB pour pouvoir les analyser, les comparer, etc., super, les partager. Et on retrouve ce petit chronomètre qui permet de nous donner le temps autour en plus de ça. Et lorsque le chrono n'est pas activé, ça nous fait tout simplement une horloge. Alors au niveau de la sensation de conduite, on est assez similaire à la 980, en tout cas au niveau de la direction et du comportement. Après, l'accélération, on est un peu différent. En tout cas sur le mode normal, du coup ce que je te propose c'est de passer en mode sport. En mode sport ? Allez. Waouh ! La sonorité change radicalement. C'est vrai. Et si on appuie sur le gaz. On l'entend bien, alors on a un ronronnement un peu moins un peu moins aigu je pense que le 6 cylindres. Oui. On va avoir plus un ronronnement justement sur celle-là.
Je trouve qu'on n'entend pas trop le turbo, donc ça, moi je suis pour. On n'entend pas trop le sifflement du turbo, on entend bien vraiment le moteur. Ça, c'est toujours agréable. Après, au niveau de l'accélération, très linéaire. C'est quelque chose de très linéaire. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que c'est très agréable parce qu'il n'y a pas d'à-coup. C'est ça. C'est très linéaire et c'est très, y a un confort, même si on est en mode sport. C'est ça. Il y a quand même du confort, vraiment. Voilà. Donc, on a de la puissance, mais on n'a pas le coup de pied aux fesses comme on l'avait dans la 980. Exactement, oui. Bon, on rappelle qu'elle a 25 chevaux de moins. Oui. C'est pas énorme, mais ça joue quand même. Hein. 25 chevaux, c'est pas rien. Bon, après, on la compare à la 980, qui est le modèle précédent. On va forcément aussi la comparer à la 911, mais en soi, on ne peut pas vraiment les comparer. On compare un 6-cylindres, un 4-cylindres. Sous des modèles uniques, avec des caractéristiques bien spécifiques. Voilà, bien spécifiques à chacune. Mm. Je pense que si on devait la comparer à un autre modèle aujourd'hui, une des plus proches, c'est l'Alpine. La dernière Alpine, la 110. Ah oui. Qui aurait cru qu'on comparait un jour une Porsche avec une française. Française, c'est vrai. mais aujourd'hui, en fait, l'Alpine a une configuration très similaire avec un moteur central arrière, un 4-cylindres turbo. En propulsion, c'est des caractéristiques qui sont très proches. Cette voiture développe 300 chevaux, l'Alpine 250. Donc là, la grosse nuance. Par contre, l'Alpine est plus légère. Je pense que ça pourrait être sympa un jour si on a l'occasion de comparer les deux. Et de faire un petit essai sur route, pourquoi pas. Parce que finalement, la Cayman, surtout la dernière, ce modèle en 4 cylindres est assez unique en fait dans sa catégorie. Mmh. Elle ne va pas du tout courir dans la même catégorie qu'une 911. Bien sûr. Mais je pense que c'est vraiment une voiture plaisir, c'est vraiment sympa. Pour aussi goûter un peu à l'univers Porsche, ça évite de sauter le pas direct en plongeant la tête la première dans une 911 ou même une GT3 pour être un peu plus radical. Mais ça permet déjà de se faire la main, d'avoir le comportement. Puis l'environnement Porsche, tout le monde n'est pas fan. Hein. On est sur des voitures relativement récentes, mais on n'a pas l'intérieur non plus du Mercedes, bien que là, on a un habitacle très agréable, très modernisé. On n'a pas les sorties d'aération de Mercedes ou même d'Audi. Ouais. On est dans un esprit beaucoup plus sport, plus typé course. Donc moi j'aime bien, mais c'est pas les goûts de tout le monde. Après c'est les goûts et les couleurs. C'est ça. Bon, ce que je te propose maintenant, c'est de passer un manuel et de voir le passage de rapport. Est-ce que ça avec vaut les palettes, les vraies palettes. C'est ça, les vraies palettes. Je ne l'ai même pas testé sur la 981, mais je t'avoue que j'étais pas à l'aise avec ces boutons. Alors après, c'est une question d'habitude. C'est mais ça, je pense que c'est moins intuitif. Moins intuitif. Après, c'est une question d'habitude. Effectivement, maintenant, on trouve des palettes dans toutes les voitures, donc on est habitué à ça. C'est un peu standardisé. C'est ça. Voilà. Là, on a les palettes qui tournent avec le volant. Bon, allez. Waouh. Bah, c'est instantané. Hein. Ah oui. Bon, la boîte PDK, elle a fait ses preuves, de toute façon. Elle est bien connue pour ça. Oui. C'est pour ça qu'ils la remettent. C'est ça. Et bah, franchement, c'est des sensations différentes que la 981, mais moi je la valide aussi. Je hein. valide aussi. C'est compliqué de les comparer, mais les deux sont intéressantes, les deux sont sympas. Moi j'aime bien le bruit du 4 cylindres, franchement j'aime beaucoup. C'est un bruit moins agressif. Oui, mais qu'on entend quand même, qui est présent. Voilà, quand qui est présent. En mode sport, c'est vrai. On l'entend. C'est vrai, autant il est présent en mode sport, autant il est assez calme en mode normal. Bien sûr. La 980 aussi. Hein. C'est pareil, hein, ouais. C'est vrai. Mais c'est même pas que je dirais qu'il y a un son mieux que l'autre, c'est deux sonorités différentes. Oui, après, mais moi j'aime beaucoup celui du 4 cylindres. J'aime bien ces bruits un peu plus rauques, un peu plus graves. Bon, et toi, qu'est-ce que tu en penses déjà de celle-là, de l'autre? Est-ce que tu as une préférence? C'est vrai que j'aime beaucoup les deux, elles ont des ressemblances évidemment qui sont assez frappantes. Ouais. Mais après, elles se distinguent pareil. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vrai que le tableau de bord en cuir est quand même très joli. Je trouve ça raffiné, même si on est dans un habitacle très sport. On le sent avec le volant, les palettes, le cuir, même sur la colonne centrale. Je trouve ça assez élégant et raffiné. Ouais. Pareil, l'Alcantara sur les sièges. Bah, ça, j'adore. Et puis, c'est vrai que le tout, hein, le chrono aussi, ça rajoute une petite touche sportive qui est sympa, avec les modes de conduite qui varient. Bon, après, sur ces derniers modèles, là, les 718, il faut savoir que pour les puristes, que Porsche a fait la version GTS avec une possibilité d'avoir une motorisation en 6 cylindres. Parfait, comme ça tout le monde est content. Voilà, tout le monde est content. Il faudra aller chercher une autre variante de ce modèle, mais le 6 cylindres est présent. Et en plus, en boîte mécanique, donc les vrais puristes ils s'y retrouveront. Parfait. Bon, ben voilà, c'est fini pour ce deuxième essai. On a commencé la journée sous un beau soleil, on termine sous la pluie, mais c'est pas grave. On a pris, je pense, beaucoup de plaisir à rouler et à faire cette petite balade avec les deux modèles.
Ouais, totalement. C'est toujours un plaisir de se retrouver derrière le volant d'une Porsche, de toute façon. C'est vrai. Quelle qu'elle soit, c'est vraiment agréable. Merci beaucoup pour cet essai. Mais avec plaisir. On se retrouvera prochainement pour la présentation de d'autres modèles. Ouais, dont j'ai hâte aussi, mais on vous en dit pas plus. C'est ça. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était un essai riche et très intéressant. On a ici un modèle aux avis très controversés. Les Porschistes sont horrifiés de voir une Porsche embarquée à 4 cylindres turbo, d'autant plus en automatique. Mais c'est vrai que les novices prendront énormément de plaisir au volant de ces deux modèles, puisqu'on garde quand même l'âme d'une sportive et l'âme Porsche. Et la différence se fera surtout entendre à l'échappement. Comme vous l'aurez compris, la Cayman est un très bon compromis puisqu'elle offre le plaisir de conduite d'une Porsche avec certains atouts d'une berline. Même si elle n'a que deux sièges, l'avantage en fait de son moteur en position centrale arrière lui offre deux coffres pour un total de 425 litres. Comme d'habitude, ces deux modèles sont disponibles à la vente. La 981 Cayman S est affichée au prix de 53 000 euros et la 718 est affichée au prix de 57 000 euros. Si vous êtes intéressé ou que vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. J'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce 4 cylindres et si vous pensez que Porsche s'est tiré une balle dans le pied ou si au contraire, c'est une belle réussite. En attendant, je vous dis à la prochaine. Bisous !